Bonjour, je m'appelle Roméo and you are now listening to French in 5 minutes, a podcast about short stories in slow French. You can access the transcript of every episode available so far and for free on my website www.frenchin5minutes.com or you can check the link in the description below. French in 5 minutes is also available in premium version, with every episode in slow and fast French, and a pronunciation training and a vocabulary training. If you want to know more about French in 5 minutes premium, simply type in your browser www.frenchin5minutes.com/premium or simply check the link in the description down below. In today's episode, I'm going to explain you who you should listen if you want to have the best advice in your life. With that being said, let's get back to French. Épisode numéro 32. Qui écouter pour avoir les meilleurs conseils? C'est simple. Je pars du principe que si une personne n'est pas qualifiée dans un domaine précis, il ou elle ne peut pas me donner des conseils adéquats. Par exemple, si demain je souhaite perdre du poids ou monter mon entreprise, je ne prendrai pas le risque de demander conseil à une personne en surpoids ou à quelqu'un qui a toujours eu peur d'investir et de prendre des risques. Je pense que c'est un principe qu'il faut avoir en tête. Certaines personnes vont vouloir t'aider, t'apporter des solutions ou des conseils. Mais tu ne devrais pas les écouter. Parfois, car elles ne sont pas toujours les mieux placées pour t'aider. Malgré elles, ces personnes peuvent te conduire à ta perte et t'empêcher d'avancer. Ces personnes, on les appelle souvent les personnes toxiques. Ça peut être n'importe qui, un ami, un ennemi, un proche, un collègue de boulot ou même des membres de ta famille. Chacun a sa propre façon de voir les choses. Nous avons tous nos croyances, nos peurs. Nous vivons tous dans un environnement et disons que c'est ça qui nous forge. Et une personne, quelle qu'elle soit, si il s'agit bien sûr de te donner des conseils, il ou elle le fera en se basant sur ses propres croyances et ses propres peurs. C'est pour ça qu'une personne qui a toujours eu des difficultés à perdre du poids aura toujours des difficultés à te conseiller en termes de remise en forme. C'est pour cela qu'une personne qui a peur de prendre des risques te dira que c'est risqué de créer son entreprise. Au final, si tu veux avoir les meilleurs conseils possibles, adresse-toi toujours à des personnes qualifiées. Par exemple, si tu veux investir, adresse-toi à des investisseurs. Et si tu veux perdre du poids, adresse-toi à des personnes qui ont déjà perdu du poids.